Quand Neymar, il a signé au PSG, la veille, il était en survêt de Barcelone. Bébé, c'est pas ma taille, t'es sérieuse ou quoi? Mais il fallait prendre ma taille. Pourquoi tu veux prendre des... Mais j'arrive pas, ça rentre pas. Voilà les gars, dans la piscine, il n'y a pas de requin, les frères. Le seul requin que vous voyez dans la piscine, c'est moi, les frères. Wesh la team, ça fout quoi? Les amis, j'ai ramené le trophée. Hein. Sur la vie de ma mère, je me suis embrouillé avec un requin, les gars. Eh frère, truc de malade, les gars. Sur la vie de ma mère, histoire vraie, les frères. Hein. Ce matin, je vais me baigner dans le lagon, les gars. Il n'y a pas un requin qui commence à m'attraper le bras. Je fais quoi? Hypercute. Il commence à tomber dans les pommes. Je le récupère au fond de l'eau. Coup de tête. Là, je lui mets un coup de pied en arrière. Il ramène ses potes requins. Il y a un requin bulldog qui apparaît. Pomme, esquive. Coup de matraque. Là, je prends dans un jet ski. Je pars en jet ski, hélicoptère. Je vais dans un catamaran. Le catamaran, il coule. Je saute du catamaran, les gars. Je monte sur le requin. Je commence à partir avec le requin sur son dos. Le requin, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne. Je tombe dans l'eau. Il y a une baleine qui vient. Je vais dans la baleine. Je vais au ventre de la baleine. Je fais un barbecue. De là, j'appelle des collègues. Ils vont sur la plage. Il y a des potes paddle, il me récupère, je prends le paddle, bam, coup sur le requin il s'énerve, il prend une pagaie, bam, bam, il se défend, bagarre, rac, bim, 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 fusil à pompe, de là il y a une méduse, je l'approche, je la jette sur les yeux du requin, frère, bam, il y a les dauphins arrivent, je commence à faire un gratte dauphinon avec, coup de couteau, cutter, bam, bim, bam, boum, bam, bagarre, bim, j'ai gagné KO le requin. Les amis, je suis pas revenu les mains vides, hein. Je lui ai arraché une dent, ce bâtard de requin là, là, viens ma mère, ramène tous tes potes, requin, baleine, qui tu veux frère, ça y est le mec, prétexte que c'est un requin et qu'il a des dents de 2 mètres, je devrais avoir peur. C'est quoi ce rafut? La vie de ma mère, venez requin, dauphin et oursin. La vie de ma mère, venez. Vous êtes des oursins, moi je suis un ours. La vie de ma mère. De oursin, voilà. Vos grand-mères, les oursins qui mangent du oursin. À le coucher du soleil. Les meufs sur Instagram, elles publient une photo, leur gros fessier. Elles mettent quoi en titre? Trop beau le coucher du soleil. On s'en bat les couilles du coucher du soleil. On veut juste coucher avec toi, nous. La vie de... Un arc-en-ciel, la vie de ma mère. Après la pluie viendra le beau temps. Après la baisse viendra l'enfant. Joignez les gars, quand on y réfléchit bien, sérieusement, s'il n'y avait pas de ciel, il n'y aurait pas d'arc-en-ciel. Logique. Tout à l'heure, je nage dans l'eau tranquille. Je commence à tomber sur un poisson. Qu'est-ce qu'il me fait? Il me regarde comme ça. Je dis quoi? Il me dit. Pas. On me dit, ouais, Momo, t'as accroché une dent de requin. Ben ouais, logique. J'ai pas accroché une dent de requin. Je sais pas s'il y a des pêcheurs parmi vous, mais comme ils se la pètent, les pêcheurs au harpon. Oh là. Comme ils font les surhommes, les gladiators de Atlantis. Oh là. Les Aquaman de Wish, là, ils sont là, ouais, qu'est-ce que t'as, mon pote? La vie de ma mère, il est avec son harpon, il te ramène des grenouilles avec. Vas-y, frère, va affronter les requins. Allô, allô, ouais. Dis à Rachid, le marin, qu'il arrête de me mener en bateau. Ouais. S'il veut pas chavirer. Ouais. Et rappelle-moi d'une cabine. Ciao, ciao. Ici, il fait déjà nuit. Vous connaissez les forceurs sur le décalage horaire? Voilà. Il y a un décalage horaire d'une demi-heure. Pendant un an, ils sont fatigués. Voilà. N'importe quoi qui leur arrive. Ouais, c'est le décalage horaire. J'ai du mal à récupérer. Doucement, doucement. Ouais, tranquille. Wesh. T'as 15 minutes de décalage horaire, mon pote. Voilà. Il part de Brest pour aller à Londres. Voilà. Frère, il y a 12 minutes de décalage horaire. Pendant un an. C'est son excuse, il va pas au travail, décalage horaire, je suis KO, je suis tombé malade, c'est le décalage horaire. Eh ben, j'ai divorcé, c'est le décalage horaire, oh mon pote, et va te décaler des ovaires au lieu de... Pas remarqué, les gens qui partent en vacances, ils se la pètent, ils t'envoient quoi comme message? Il est quelle heure chez vous? Voilà, décalage horaire, juste pour te chambrer, juste pour te dire je suis pas ici, je suis en vacances, voilà. Hein? Genre tu l'appelles, allô? C'est les quelle heure ici? Il est quelle heure chez vous? Voilà, la vie de ma mère, arrête de faire le mec, wesh, voilà. Truc de ouf. Eh, c'est l'excuse parfaite au décalage horaire. Voilà, les gars. En plus, c'est une excuse pour pas voir ses amis. Un mec qui rentre de vacances pendant 3 semaines, il te dit, je dois dormir. Décalage horaire, KO. KO, je suis fatigué.
Ouais, mais tu me dois de l'argent, je peux passer vite fait. Je peux pas. Décalage horaire. Désolé. Le jour où tu t'adaptes au décalage horaire, c'est le jour où tu rentres. Voilà. Le jour où t'es rodé, ça y est. Ah, c'est bon. Je me suis fait. Ah, faut rentrer. Voilà, c'est incroyable ça. Il est quelle heure chez vous, les gars? Parce qu'ici, il fait nuit. Voilà. Voilà, il fait nuit, les gars. La vie de ma mère, il fait nuit. Nuit. Wesh. Chez vous, il est quelle heure, les gars? Hein? Ça n'a rien à voir avec la France, ici. La France, il fait jour. Ben ici, il fait nuit. Les mentalités, c'est pas les mêmes. Voilà. Après, je vais me reposer un peu. Décalage horaire, les gars. Moi, si je perds mon pari ce soir, c'est pas que je suis nul. C'est le décalage horaire, les gars. Moumou, que penses-tu du décalage horaire? Bah les couilles! J'ai pas de montre, j'ai pas il est quelle heure, je sais pas on est quel jour, je sais pas on est quel siècle, voilà les gars. La seule chose dont je suis sûr, hein, c'est que je sais me battre. Ça je sais faire ça. Hein. Et le requin peut en témoigner, les gars. Je suis pas fier de ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. D'accord? Ce que je déteste aussi, c'est les mecs, ils partent en vacances avec leur meuf. Il revient, tu lui dis « Oh, c'était bien ?» Il te dit quoi ?« Franchement, c'était trop bien, mais n'y va pas avec ta meuf. » Un conseil, frère. N'y va pas avec ta meuf. Vas-y avec des potes et tout. N'y va, il y a trop de meufs. Laisse tomber, tu vas être trop tenté, frère. N'y va pas avec ta meuf. « Ouais, mais j'ai pas de meuf. » C'est pas le sujet, frère. D'accord ? Si t'as une meuf, n'y va pas avec elle. Voilà, frère. Oh, t'as une meuf, c'est bien, tu pars en vacances avec ça. Non, jamais content. T'as une meuf, n'y va pas avec ta meuf. T'as pas de meuf, trouve une meuf et pars en vacances avec elle. Faut savoir, les gars. Un petit point, Mbappé, point, les gars. Kylian Mbappé a écourté ses vacances. Il va surtout écourter son contrat au PSG, les gars. Et je vous le dis, vous voyez qu'Mbappé reprend l'entraînement. Vous voyez que Mbappé présente le maillot extérieur du PSG. Je ne vais pas vous en dire plus, les gars. Mais un mec comme Mbappé, le PSG va l'amortir jusqu'à la dernière seconde. C'est un mec qui rapporte énormément aux sponsors, les gars. Vous croyez quoi? Parce que le PSG sait que Mbappé, il part. Ils vont arrêter de le mettre en avant. Ils vont arrêter de le faire s'entraîner. Non, les gars. Quand Neymar, il a signé au PSG, la veille, il était en survette de Barcelone. La vie de ma mère, deux jours avant, Piqué publie une photo, c'est Keda, les gars. Arrêtez, d'accord? Le transfert du siècle va être surprenant, les gars. À la hauteur du transfert, je vous le dis. Il y en a, ils vont tomber de très, très haut, les amis. Ils vont tomber d'un gratte-ciel. Voilà. Ça me rend fou, les gars, les gens qui disent ça. Franchement, c'était bien là où j'étais. Mais n'y va pas avec ta meuf. Et juste après, tu vois sur Snap qu'il y va avec sa meuf. Voilà. Les mecs qui te disent n'y va pas avec ta meuf, ils partent avec leur meuf. C'est un truc de... Hey, salut. Ça va, ouais, ça va, merci. Qu'est-ce que tu fais ici? T'es venu danser? Moi aussi. Alors, dansons? Ouais. Et c'est non. Comment tu t'appelles? Marion? C'est mignon, Marion. Marion, nous? Moi, c'est Aziz. Oh, Marion, tu vas où, Marion? Oh! Reviens, Marion!